Massy, Colomiers, match de la peur ce vendredi soir au stade Jules Ladoumec de Massy pour cette 15e journée de Pro D2. Massy, bon dernier de cette Pro D2, reçoit Colomiers, 15e et en grand danger également, qui vient de changer d'entraîneur au début de la semaine. Colomiers qui démarre très mal cette rencontre avec ce plaquage dangereux d'Otard Tourajvili. Le talonneur Ogaronais est sanctionné d'un carton jaune après seulement 30 secondes de jeu. Colomiers est réduit à 14 et Colomiers va encaisser le premier essai de leur rencontre. 11e minute de jeu à peine. Groupe et pénétrant des Massicois qui va s'effondrer dans l'en-but. Après conciliabule avec son assistant d'en-but, monsieur l'arbitre accorde l'essai au troisième ligne de Massy, Julien Dumoulin. Massy mène 5-0, l'essai n'est pas transformé. 22e minute, problème en mêlée dans cette première demi-heure. Monsieur l'arbitre s'agace et prend ses responsabilités en excluant temporairement les deux piliers, un carton jaune de chaque côté et déjà le deuxième du côté de Colomiers. Colomiers qui va un peu se rebiffer dans cette rencontre, mêlée pour les Haut-Garonnais dans les 22 mètres adverses, mêlée sous pression, belle réaction du pack massicois, mais c'est le troisième ligne de Colomiers qui vient faire toute la différence. Ballon sorti par Romain Bézian qui s'arrache pour inscrire la réplique columérine peu avant la demi-heure de jeu. Et c'est validé à Romain Bézian, 5 partout, celui-ci n'est pas transformé. Et Johannes Graf, quelques minutes plus tard, passe 3 nouveaux points pour Massy qui reprend les devants au cours de cette première période. 8-5, Massy qui va même avoir le dernier mot juste avant de retourner au vestiaire. Nous sommes dans la dernière action de ce premier acte, mêlée dominatrice pour les Massicois. André Gorin sort ce ballon en joue dans le fermé avec Benjamin Prier qui anime l'attaque de Massy. Belle chevauchée des trois quarts qui envoie leur trois quarts centre Baptiste Delage dans l'en-but. Énorme séquence des Massicois, très bel essai aérien des joueurs de Massy qui trouvent la faille déjà pour la deuxième fois de la rencontre et le score à la pause 13-5 pour les Essoniens. Colomiers revient dans cette rencontre et surtout au retour des vestiaires, belle réaction des Columérins, faute d'anti-jeu, geste grossier de la part d'André Gorin qui va être exclu 10 minutes à son tour, deuxième carton jaune pour Massy dans ce match et le coup de pied de l'ancien Massicois Thomas Girard qui vient passer entre les perches à 40 mètres des poteaux. Voilà une belle réaction de Colomiers, 13-8. Colomiers qui va également marquer son deuxième essai de la rencontre peu avant la 50e minute. C'est un gros temps fort des Haut-Garonnais au retour des vestiaires et c'est conclu par l'arrière-garde de cette formation colomirine. En bout de ligne, c'est Iban Etcheverry, un temps blessé et sorti sur saignement, qui a fait son retour et vient inscrire le deuxième essai de sa formation. Donc, au retour des vestiaires, 13 partout, l'essai n'est pas transformé et le chassé-croisé continue entre les deux formations. 55e minute, Johannes Graf passe 3 points supplémentaires avec cette pénalité, 16-13, et récidive même le Sud-Africain quelques minutes plus tard. On est entré dans le bonnet time, 3 points de plus, 19-13. La victoire est en train de se décider en faveur de Massy qui finit très fort cette rencontre. Et 3 nouveaux points inscrits par Johannes Graf, l'arrière de Massy. Le score 22-13, ce sera le score final. Colomiers n'est pas arrivé à revenir dans cette fin de match. Victoire précieuse des Massicois, 22-13, donc face à Colomiers. Massy qui revient à 2 longueurs de son adversaire du soir au classement.